les aficionados et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Un coup de théâtre dans l'industrie mondiale du cigare. Imperial Brands, qui détient 50% de Habanos SA ainsi que de Altadis USA, a décidé de vendre sa branche cigare premium. Elle comprend en nom cubain les marques notamment Monte Cristo, Upman ou encore Roméo et Juliette. En cigare cubain, puisqu'elle détient 50% d'Habanos SA, il s'agit de tous les cigares cubains. Comme vous savez, à Cuba, il s'agit d'un monopole d'État. Habanos appartient à 50% à l'État, 50% à Imperial Brands. En dominicain pour le marché américain, Imperial Brands détient la Tabacalera de Garcia. Énorme usine, énorme manufacture de cigares. Imperial Brands détient aussi Flor de Copan au Honduras. Sans oublier les magasins La Casa de Monte Cristo aux États-Unis. En effet, comme je vous indique au début de cette vidéo, il s'agit véritablement d'un coup de théâtre dans l'industrie mondiale du cigare premium. A savoir que Imperial Brands avait racheté Altadis en 2007 pour plusieurs dizaines de milliards d'euros. Que nous réserve l'avenir d'Imperial Brands? Que nous réserve cet avenir? Que va-t-il se passer des 50% d'Habanos SA? À qui ces 50% vont être revendus? Que va-t-il se passer pour les manufactures? Que va-t-il se passer pour toutes ces marques non cubaines pour le marché américain? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, il s'agissait d'une information tellement importante que j'ai souhaité en faire une vidéo pour la partager avec vous. J'espère que ce genre d'information vous intéressera. D'ailleurs, dites-moi si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'industrie du tabac, qui nous concerne évidemment nous, les consommateurs, les amateurs, qui seront impactés et touchés par ces changements de stratégie des grands groupes de tabac. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo, ainsi que de suivre Cigare TV sur Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.